la deuxième réalité dont je voulais parler, c'est l'effroi que subissent les élèves quand on leur rend leurs devoirs. Parce que les devoirs sont vraiment toujours source d'angoisse et de stress pour les élèves. Donc je pense qu'il faudrait aussi réformer cet aspect-là. Et donc toujours en regardant nos voisins européens, leur système de notation est peut-être est complètement différent, peut-être plus juste, parce qu'on... Je veux dire, ici en France, quand on est noté de 0 à 20, parfois on se débat pour un point ou deux, et ça n'a pas forcément de réelle importance sur notre réel niveau, nos acquis, et notre compréhension de la discipline. Donc je pense que c'est ce côté-là aussi qu'il faudrait réformer, pour montrer, non pas privilégier ceux qui comprennent tout, ont tout acquis, mais ceux qu'on possède déjà comme connaissances. Et donc je pense que ce côté-là aussi pourrait aider les élèves à vouloir progresser.